il y a une chronique annoncée d'un échec total si on n'arrive pas à répondre à ce défi climatique. On n'est pas forcé de rester dans le drame, on peut aussi y trouver du plaisir, on peut aussi trouver de la joie en se disant j'ai ma place, j'ai un rôle à jouer, j'ai une carte à jouer pour peut-être aider tout simplement à sauver le monde. L'économie circulaire, c'est l'antithèse du gaspillage des ressources, c'est au contraire, mais comment je peux créer plus de richesses avec le même nombre de ressources? Comment je peux créer plus de valeur partagée avec les mêmes tonnes mobilisées? Pousser l'innovation à la fois sur le recyclage, le réemploi de matières secondaires est juste déterminant, à la fois pour l'environnement, mais également tout simplement pour les modèles économiques des années à venir. Il y a dans ce secteur-là des millions d'emplois à inventer, mais il y a aussi des millions d'entreprises à inventer. Nous allons avoir besoin de compétences nouvelles pour répondre à ces nouveaux métiers. Il faut former des jeunes, mais il faut aussi former les cadres et les décideurs. Nous n'avons pas le choix, nous n'avons qu'une planète et elle est limitée en ressources. Et nous devons partager ces ressources, donc repenser nos modèles. Voilà ce qu'est l'économie circulaire.